beaucoup changé. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light. On se retrouve en plein fight puisque, comme vous vous en souvenez certainement, on était dans un Hydra Pass. Ah putain, le con qui descend jusqu'au moment. Tirons la tête. Tu me voles mes zombies, je t'ai vu. Il n'y a pas ton nom dessus. Ah ouais, ouais, c'est pas écrit. Hein. Excusez-moi. Hein. Non, pas plus. Ah, cracheur, ah, cracheur, ah, cracheur! Un cracheur, c'est vrai? Je sais pas. Alors, du tout. Wow. La saloperie du nid est là. Aïe! Fais attention, par là où je suis, je suis mort. Et de deux, il y a beaucoup de gens. Putain, mais c'est un rapace là, ce truc, c'est bon ou quoi? Mais non, t'as les rapaces qui sont ancrés au sol qui créent d'autres rapaces là, tu vois. T'es où par contre? Du coup, faut que je prenne du plus lourd, c'est ça que tu me dis? J'arrive. T'es trop bas, putain, je peux pas te relever. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je peux pas te ranimer? Ah, bordel! Je suis mort instantanément, au suite d'une terrible agonie. J'ai absolument pas compris ce qui s'était passé. Et j'étais en train de ramasser du café à côté de toi plutôt que de te ressusciter, quoi. Merci les priorités du jeu. Aide-moi Billy, bien sûr j'arrive. Oh, du café. Oh mais dis donc, c'est du cosmétique premium à côté de toi. Excuse-moi, c'est de la marque blanche. Waouh. Wow. C'est vieux pads dedans, t'as les restes de café. Ah putain. Mais du coup t'es aussi mort pour cause de décès. Bah du coup ouais, parce que j'étais en train d'essayer de te relever et je me suis fait défoncer le cul du coup. T'es re-rentré dans le lit hein? Ouais. Merde, elle nous entrée. En vengeance, terrible. Bah j'ai au moins nettoyé l'un des ressusciteurs de rapace, bon c'est fait. Et ce truc c'est qu'en plein milieu du gros fight, quand j'en avais 5 face à moi, je me suis... j'ai fait, tiens, mon arme elle est cassée. Réflexion donc, que faire? Efficace. Ah putain, il est là-bas le crasheur. Voilà. Mange ta patate. Derrière. L'avantage de ce flingue c'est que tu peux le... Ah putain. Merci. Tu vois ce que je voulais dire par perdre mes points de survivant à cause de toi? Je sais pas de quoi tu veux parler. Si t'arrêtais de lancer des cocktails et que tu venais me raise. Non mais c'est un nouveau zombie qui a... tu vois... Ouais, qui a foutu le feu partout, ouais. Il a foutu le feu, tu comprends? Je comprends. Attention à pas ramasser le café. Là, regarde, tu vois, il va. Là, genre, tu vois, celle là-bas, hop, elle prend le feu instantanément comme ça. Tu vois. C'est dingue, hein. Ouais, c'est. On les refait plus, ces zombies. Tu vois, elle est là, elle est à moitié brûlée. Et... C'est vrai que cela dit, elle est résistante hein. Ouais, elle est tenace. Alors du coup, est-ce qu'il y a un autre, une autre saloperie? Ouais, il y a une autre saloperie. Ouais. Ah. C'est un crasheur ça. C'était. C'est un peu chaud des fois de... quand on est en mode instinct de survie là. De repérer qui est quoi. Il s'arrive. Ah, je t'ai pas rechargé arbalète, donc tu sers à rien.
Non, encore un par un. Ouais, j'ai déjà cassé mon arme. Putain, faut que je l'améliore un peu. On va allumer la lampe, ça sera peut-être plus pratique. D'accord, on va voir. Ouais, y'en a un ici. Costo Sony, hein. On va quitter le nid, bah, quand même. Ah. 4 saloperies, quoi. Ouais, il était. Il avait un potentiel insoupçonné. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer cette arme tout de suite. Il y a un module. Alors, qu'est-ce que j'ai de sympa? Un roi. Ouais, bah go, c'est parti. Un peu plus d'amélioration, de durée de vie et compagnie. On va pas cracher dessus. Merde. Je te vois même plus sur la carte, Théo. On a surmonté. T'es remonté. C'est vrai que c'est quand même bien glauque les petites zones pleines de mouches là. Mmh, ça me donne pas très envie. En mode bien gore. La lampe. Ah ouais, quand on éteint la lampe, on voit plus rien par contre. Ah ouais, non, c'est nuit noire et en plus, avec le petit. La petite tempête. Non, c'est bien. Je suis même encore dans l'eau là, donc tu vois. Ok, on est là. Il va falloir le grappin pour grimper par contre. Il va falloir aller sur le phare. Du coup, c'est vide celui-là. Pas de saloperie trop proche. Oh là là, mais il n'y a plus de grappin, il sert plus à rien, le mec. T'es aux voitures? Ah oui, t'es là. Je voyais pas ton curseur, mais c'est parce que t'es dans la voiture. Bon, alors du coup, on peut aller au phare. On peut passer, filer la caisse à l'intendant si on veut. C'est pour les uns. J'ai mis un marqueur si tu veux. Ouais, forcément. Non, il n'y a pas du tout un rapace qui me suit. Pas du tout, absolument pas. Absolument pas. La 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 la. Je t'entends pas, je t'entends pas. Il n'est pas là, si je ne te vois pas, tu n'existes pas. Ouais, en fait, avec un moteur à genre 60%, de temps en temps, bah, t'accélères plus. Puis t'es comme ça, en mode Oups. C'est bon, je suis sauf. Moi, pas encore. T'es pas content, hein? Bah oui, tu gueules, hein, forcément. Il est pas content. 2 points d'agilité. Putain, je me sens bien. You got something for me, bro? Thanks, every little bit helps. Ah oui, c'est vrai qu'il a tous ses objets de fou là. Que tu sais pas quoi en foutre. Pas d'emplacement libre pour carreau en acier, d'accord. Le reste, tu vas le laisser là. Alors, où est le marchand? Alors, déjà les quêtes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous n'irons plus là-bas. L'ancienne quarantaine militaire qui règne là-bas en fait l'endroit le plus dangereux de toute la campagne. Bah voilà une quarantaine militaire. No idea, man. We don't go into the town anymore. People who went into scavenge say there's demons in there. Zombies to deal with, but demons? What the hell? Seriously, no clue. I haven't been there in a while. Don't know what it's about or what they're trying to resolve. We would help you guys out if the town got safer, right? Well, yeah, we didn't have a chance to get anything out of there after the outbreak. But just so you know, the military ran everybody out of there before any infected even showed up. And you think it might have been related to this demons thing? Could be, man. Could be. We won't know until the Faceless get it all under control, though. Parfait. Alors, une huile qui serait un poison pour les morts vivants. Hey Bilal, I saw a note about some kind of poisonous oil. What's the deal with it? Yeah, man. Shit works like a charm. So,
You make me a batch? Well, yeah, but I'm out of Wolfsbane, so you'd have to go get me some. And it probably only grows in a clearing somewhere on the other side of the world, with a couple of demolishers and some toads camped out around it. Ah, you know what? Fuck it. You're cool, and I have shit to do. So, I'll just give you the recipe. C'est gentil. Merci, je suppose. Le fléau de la campagne. J'aime le nom en tout cas. De quoi ça parle ? Fléau de la campagne. Ajoute un grand effet toxique à vos attaques. D'accord. Ça fait des siècles qu'on sait mettre du poison sur des outils de la ferme, mais vaut pas savoir ce qu'ils en faisaient avec au Moyen-Âge. Certes. Alors, le marchand, je crois qu'il est en haut. Pourquoi il y a un truc de parachute juste à côté là. Il y a un largage juste à côté. Ouais, mais il était déjà là quand on est parti de... Ah, mais j'ai une machette féroce jaune. Et ben, j'en apprends tous les jours. Sans vire. Parfait. C'est voilà, on a récupéré le truc. Full. Vu que c'est de nuit, y'a personne qui sort. Bah voilà. Hop. Il y a un largage gratos. Merci le jeu. De quoi, où ça? Bah juste... Ah, il était juste là du coup. Je me ah ouais, vraiment, littéralement de l'autre côté de la grille. Ah oui, effectivement. Bah en plus, on peut retourner en données directement au mec. Genre, effectivement, c'est plutôt cadeau, ouais, on est d'accord. Il avait juste à faire 4 mètres et rigoler son truc. Là, j'ai réussi à me bloquer dans les... Ma fenêtre. Dans la fenêtre. Alors, je suis sûr qu'on doit pouvoir vendre encore quelques trucs. Alors du coup, j'ai quoi dans mon inventaire là? J'ai une machette bleue, très bien. Le bourdon tueur, on va le virer. Ça fait quand même un max de dégâts. Et ça, au final, si c'est pas si mal. Bon, on va garder un peu de ça. Alors les boucliers, par contre, faut arrêter avec les boucliers, quoi. Ah, mais c'est que tu peux pas les vendre, en fait. C'est ça le problème. Ça, on va virer. Hop là. Ah non, ils sont nulle part, on est d'accord, hein, les boucliers, là. Et on peut pas les démonter non plus, donc ça sert vraiment à rien. Très très bien. Parfait. Tu m'excuseras, je t'ai jeté des boucliers sur la tronche. Demain ? Ouais, comme ça, le mec il se fait un pont de bouclier quoi. Exactement. Un petit peu de carburant, un petit peu de composants, c'est bien aussi. Tuck. Je vais tenter par là. Je sens bien ce petit chemin de terre qui n'a aucun sens. Écoute, on va à un endroit qui n'a aucun sens de toute façon. Donc. Je pense que peut-être qu'il faudrait que je répare un peu. Non. Non, pas de course. Je déteste les courses. Ah, c'était un petit chemin de terre vers une course, c'est ça que tu dis? Yep. Ah, mais putain, mais ils ont des... T'es sérieux? Les rapaces, ils ont des citrouilles d'Halloween sur la tête, quoi. Sérieusement, quoi. Yeah. Le rapace qui me saute dessus avec une citrouille d'Halloween sur la tronche. J'avoue que ça m'a pris par surprise. What? Attends. Ah bah, si tu meurs celui-ci, tu vas avoir un démolisseur, tu vas rigoler aussi. Attends, je suis le petit chemin de terre qui n'a aucun sens. Ouais, il avait l'air un peu pas normal le démolisseur que j'ai vu la dernière fois. Bah regarde celui-là, tu vois. J'arrive. Je roule sur la plage. Il va être juste vers toi là. Voilà. Ouais, il avait quoi sur la tête? Ah putain. Oui d'accord. Très bien.
un démolisseur, c'est un malabar. Ouais, c'est un truc. Un truc. On voit le phare, tout va bien. C'est le phare. Hein. C'est le mec qui est un phare. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à ce que tu la fasses. Le mec s'appelle qui? Et c'est son phare. Là, c'est le pharaon. Là, c'est dingue, comme on défend, on a des intuitions comme ça. Le mec s'appelle On. On me dit que c'est son phare. Là, c'est le pharaon. Je suis désolé. Bon, on n'est pas en live, sinon je m'excuserai pour le chat, mais je suis désolé quand même. Je tiens à dire que ceux des années 2000 ne connaissent pas cette vanne et ça me désole fortement. Même c'est vrai, c'est vrai que ça nous rajeunit pas. Ouais. Eux des années 2010 ne connaissent encore moins cette vanne. 2010, ça doit être plus rare en termes de viewers sur du Dying Light sur la chaîne, je pense. Bah, mais je comprends ta souffrance tout à fait. Faut le dire. En même temps, c'est vrai que. Pourquoi je peux pas. C'est quoi ce scandale là? Je peux pas grappiner là. Jeu, tu te fous de moi? Pourquoi je peux pas grappiner? Genre c'est pour me forcer à grimper à la main, c'est ça? C'est ça l'idée? Voilà, zone de recherche de l'enfer. Je sais même pas si c'est cette zone là, c'est pas un genre de truc, on est pas censé être au pied du phare? Bah je sais pas, c'est trouver la grotte cachée sous le phare, donc c'est vrai que peut-être techniquement... Zone sécurisée débloquée, ah très bien. Le phare était une zone sécurisée, c'est ça? Juste avant, ouais. Bon. Oui. Écoute, voilà. Bon, du coup, on a laissé les voitures un peu tôt, je pense. Mais c'est vrai que c'est un sous-le-phare. Sous-le-phare, comment? Je veux voir ce phare. Je vais peut-être trouver. On peut rentrer dans le phare? Non, on peut sauter dans le phare. Est-ce qu'il me crache des trucs dessus? On peut descendre sous le phare. Aïe. Je sens qu'il est en galère là, vous m'excuserez, j'arrête un peu l'exploration, je vais aller aider Katox. Mais un autre jeu! Tu veux pas crever celui-là? Voilà! Non mais. Oh. Tu te fais tuer par des zombies invisibles quoi. T'es vraiment bizarre hein. Mais j'ai trouvé la grotte moi. Mais alors moi aussi? Bienvenue dans la grotte de On. Bon. Pas de coffre directement visible. Suivez l'indice. Alors l'indice il disait quoi? Courez les garçons, courez. La dernière chose qu'ils virent, c'est vu la mer vue d'en haut. Une lumière sortie des flots dans leurs yeux faisait quoi? Alors ils s'enfuirent ainsi pour la première fois de leur vie. Ils furent libérés des ennuis du passé. Ouais, certes. On va dire que c'est un peu opaque comme indice. Ouais, je trouve ça très clair. Je sais pas de le comprendre, toi tu cours. Mais j'ai trouvé le coffre. Et t'essayes d'oublier les. Ouais, mais. Ah, mais. J'ai compris pourquoi il fallait courir. LOL! Ah ouais, non mais t'as couru, mais t'as couru dans les fils quoi. Tout de suite. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Je m'éloigne avant que tu fasses tout péter, tu ne veux pas. Ah putain, y'a un crasher là. Juste à la sortie. Encore des fils à faire péter. Même pas, je suis un peu déçu. Tu m'envoies ravi. Sympa le petit bruit du vent sur la plage et tout, c'est bien fait. Je peux le à cette distance. Complètement. Oh puis alors cette chute là au ralenti en arrière avec une balle dans la tête. Alors c'est quoi le nouveau flingue qu'on a eu? Un 6 coups. Il est vachement moins bien que le Rodeur du coup. Ça dépend. Bon bah il nous reste à trouver l'arbre mort. Alors déjà faut retrouver les voitures. Il est un peu plus précis le 6 coups. Ah bon, parce qu'il est pas précis celui-là, je le trouve précis. Il est un peu moins précis. Ça c'est ta tienne. Est-ce que moi je sais me garer moi?
Bah non, moi je conduis jusqu'à ce que je puisse pas aller plus loin. Le moteur est recassé, franchement c'est un scandale. Je sais pas ce qu'il lui faut. Faut appeler carcasse. Pourquoi j'ai toujours des explosifs juste derrière toi, quoi. Comment c'est possible? Quoi? Comment c'est des explosifs juste derrière moi? Des zombies explosifs. Genre hein, tu passes, juste derrière toi, j'arrive, il y a des zombies explosifs qui auraient dû te péter la gueule et qui te pètent sur moi. C'est pas cool. De pilote puissant. Ça c'est un crasheur sur la route. Mais esquivé, non je crois que. Encore un explosif juste derrière toi. Voilà. Bon. Semble que ça se plaint beaucoup. Là c'était un zombie qui se nourrissait au sol. Elle tire à droite ma voiture, c'est dommage. C'est un truc de fou, la quantité de zombies explosifs que je me prends. Je pense que je dois être juste pile poil assez loin et donc du coup il aggro des. Enfin il repop des zombies quoi. J'ai déjà remarqué que les zombies sur la plage ils apparaissent et ils disparaissent devant moi. Parfait. Parce qu'ils ont peur, ils fuient. Faut pas leur en vouloir hein. Devant autant d'excellence. Très probablement. Le qui crisse. Oui non c'est un défi machin. C'est quoi ce truc sur la carte? Personne disparu. Ah mais il y a une quête ici. Ah il y a une quête là-bas. Voyons ça. Bon déjà il y a du loot. Chaque fois que je passe ici, à chaque fois je me fais avoir par le même. Il a tenté de se défendre avec une rame, mais il n'a pas survécu. Crane here, just found a cadaver, pretty sure it's one of yours. Someone will attend to it. You have our thanks. Pas de soucis, moi je prends la thune. Il a été récupéré là, son portefeuille avait disparu. T'as vu, hein, c'est triste. Ah les monstres, les zombies voleurs. Y'a un item si jamais tu veux, mais bon, je pense que t'es un peu loin maintenant. Allez, on retourne dans la voiture. Pas par là-bas. T'as aggro une saloperie. Non, en fait, j'ai trouvé l'avion crashé. Ah. Sur le chemin. Et y'a du monde. Bah, je sais pas, je t'attends. Parce que si j'ai lancé un truc, c'est pas grave. Attends, j'essaie de venir le plus vite. Ou alors j'active et peut-être que t'auras l'option. C'est risqué si jamais c'est un combat. Non, je pense pas que je puisse me TP. Non, je dois pas être non plus hyper loin. Je suis ta flèche. En ligne droite. Malgré ma tondeuse à gazon qui me sert de moteur. Merde, là je peux pas passer par là. Je passe pas en dessous. Je passe pas en dessous. Attention là, ça te prend des rochers bientôt. Bim. Mais t'es encore hyper loin en fait. Faut que je fasse le tour de cette falaise. Comment on fait le tour de cette falaise? Là tu descends. Bah, qu'est-ce que quoi? C'est quoi qui me bloque? T'es sérieux, il y a un petit muret à la con. Ça veut dire que t'allais te prendre un peu. Ah non, c'est un banc. Putain, je suis bloqué par un banc en bois quoi. Totalement incredible. Putain, encore une série explosive, voilà, c'est quel. Bim. Putain, j'ai même plus assez de moteur pour prendre un tremplin, quoi. C'est la tristesse, quoi. Ça y est, je suis là. Ah mais c'est un tout petit avion. It's not him. Why would he even be out here? Look, it is him.
Crane! Crane! You remember me? It's Fatim. And Tolga. We're on the deer blind. Can you see us? What? Alors le truc qui se pointe en mode relou là. Et... Putain mais ils sont combien? Beaucoup. Ah ouais carrément ouais. Et tu veux pas te soigner mec? Ah mais non mais putain mais le tuer un max de zombies qui apparaît, non mais sans déconner. C'est abusé. Bon les conneries là. Mais ils étaient pas censés être à l'abri dans la maison? Ils ont parlé d'un affût. Ah, je pensais qu'ils étaient à l'abri dans la maison. Je me suis dit ah mais t'as détruit la maison. Ils parlent d'un affût de chasse proche, mais lequel? Bah celui où il y a la quête, non. Pour l'instant on va dire que c'est pas grave, on a déclenché ça encore partie. Ah bah ils sont là-bas dans la safe zone en fait. Dans la safe zone. Sinon on peut aller faire la quête en dessous de l'arbre mort et puis repasser par chez eux. Ouais, c'est à mon avis, eux deux c'est la suite de la... C'est la suite de la quête principale là, tout à fait. Par contre ça me dit rien du tout, Fakin et... Si, c'est deux totalement excentriques qu'on a tiré de la ville. Bon. Moi je me suis couché. Merde. J'ai vu ma vie descendre, j'ai fait mais qu'est-ce qui se... Mais tu lui as un coup de feu? Je crois que je t'ai roulé dessus plus que moi d'avance. Oh, c'est le détail, ça suffit pas... des conneries là. Oh. Waouh. Ah putain, c'est moi qui me suis fait coucher du coup. Ne meurs pas. Merci. Bon, je te ramène à ta voiture ou... Ouais, je vais aller voir par là. En tout cas, si je vais prendre la voiture. Vous les crues de zombies. Vite, parce qu'il y a des saloperies qui arrivent. Putain mais lâche-moi! Ah mais l'enfer quoi! Ah non, j'ai plus de moteur quoi! Je m'arrêterai pas, c'est pas possible! Crève! Toi aussi crève là! Putain! Ça suffit un peu les conneries! C'est insupportable! Qui c'est qui crie? Y'a plus personne qui crie! Alors, faut réparer le moteur là, on a plus de moteur! Tiens, on va mettre un moteur de niveau 5! Ça va envoyer un peu du steak ça! Il va totalement passer d'un truc où il avance pas à un truc qui avance trop vite. Ah bah voilà, là on sent qu'il y a un peu plus de patates. Par contre je suis pas sûr qu'il pourra quand même traverser la flotte. Il y a un petit pont. Ouais, on va prendre la route. Cela dit, au niveau dérapage contrôlé, c'est pas trop simple. Mais qu'est-ce qu'il... Ah. Excuse-moi, Billy, tu te bien. Là, t'accrocher sur quelque chose. Alors, trouver la grotte sous l'arbre mort encore. Putain, ils sont relous avec leur, leur sous là. Il est où l'arbre mort? Là, on a un bon point de vue ici. Est-ce que vous voyez un arbre mort quelque part? Il y a un arbre tombé éventuellement. Arbre mort. Tu pourrais passer 20 fois à côté d'une grotte sans la voir quoi. Alors j'ai des points de compétence. Ah oui, encore un point de conduite. Suspension tout terrain. Ouais, ça me paraît là aussi un bon investissement. Machin, tu te fous de moi là? Tu peux le choper comme ce truc là, non? Ah non. Je crois que ton Billy a décidé. Mon Billy a décidé de faire comme ton Billy, non, il veut pas grimper. Genre le,
le grappin qui veut rien accrocher et lui-même ne veut rien accrocher quoi. C'est génial. Je kiffe, je kiffe. Accroche-toi à ça au moins. Ça un arbre blanc là-bas. Putain, je crois que j'ai trouvé un arbre qui était qui bas. Qui correspondrait à la description de d'arbre mort suscité. Bah il a l'air d'être décédé en tout cas. Vas-y là, ça me lourde gentiment les roubignoles cette histoire de grappin là. Genre il peut s'accrocher à tout mais là c'est scripté pour qu'il s'accroche pas quoi. Sérieux. Il y a une petite maisonnette ici. Ouais mais c'est la maisonnette du gars qui s'était fait transformer en hydrapef. Bah tu penses que ça pourrait être en dessous? Non, pour moi c'est ici. Ici. Il a l'air bien décédé là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un arbre. Ouais, effectivement. Après le dessous peut être tendu du string quand même. Ah, là il y a un espèce de d'effet. J'ai eu un espèce d'effet grisé en m'approchant par là. Je sais pas si tu l'as eu aussi. Par où? Non. Là où je suis là, ça fait une espèce de. Ouais. Lui aussi. Bah on dirait un vieux. Je me demande si ce serait pas un zombie enfant là. Ah ça le refait quand on descend. Je crois que je t'ai vu sauter. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Oh vache, la flotte bien sale encore. Ouais. Ouais, il y a un truc qui clignote sur la map, j'avais pas vu. Ce serait par là. Ah, ouais. Par ici. Nice. Et effectivement, il y a une gamine. Désolé, c'était pas contre toi, mais. On peut quand même. C'est vrai que c'est quand même assez horrible le coup de l'enfant zombifié là. Mmh. Encore un? Encore un six shooter. Et feu rapide. Rendez le sabre à Jazir et allez voir les jumeaux. Bah écoute, je pense qu'on va faire les jumeaux du coup. Alors il fait quoi ouais ce nouveau flingue là? Feu rapide, 308, 95 cadence de tir, 45. Alors que le rôdeur c'est cadence de tir 20. Mais j'imagine qu'il a que 6 balles pareil. Ouais ça. C'est les bons six shooters de. Il a la classe. Cowboy là. Mais ouais, moi je suis plutôt lent et une balle dans la tête à la fois. Je suis du genre à jouer au M1 garant dans les FPS. Plutôt ouais. C'est la vie, le M1 garant. Je file un gros fusil d'assaut, mais non. Le fusil de chasse a un coup, il est très bien. Ouais, ça. À désactiver le mode automatique quand tu joues à Call of. D'accord, je le prends ton fusil d'assaut, et je tire balle par balle. À peu près ça. Alors, non, coup... un fusil d'assaut, je mets une lunette dessus et je m'en sers comme fusil. C'est ça. Il y a une rencontre aléatoire là. Ah oui, mais c'est tout près en fait. Je suis chez les jumeaux. Oui, bah c'est ce que je cherchais où c'était. Mais ah, mais la rencontre aléatoire est vraiment. Ah, mais putain, mais on peut pas passer par là. Oh l'enfer. Réinitialiser la position. Trouver le petit pont pour traverser l'eau. Alors c'est cossu chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui m'ont appelé. Mais oh, mais c'est des méchants. Ah bah ouais, le fusil d'assaut ça envoie du steak quand même hein. Ah ouais là ça a fait genre bonjour, bam, mort. Faut peut-être pas non plus déconner en chargeant un mec qui a un fusil d'assaut quoi. C'est pas une question de charger. Bah quand même un peu. Je l'intimidais. C'est ça, tu l'intimidais pendant que moi j'arrivais par derrière pour le tuer. C'est ça. Bonne stratégie. Bah ça a payé, donc ils sont morts. Tout à fait, tout à fait. Ah
Ok. Tu vas t'en rappeler en voyant leur tête de ces deux. Attends, je vais essayer de crocheter la bagnole de flic là. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une machette du crocodile. C'est nul. T'as toujours ta lampe allumée au fait, si jamais. Ah ouais. C'est ici? C'est absolument pas là. Mais non, ah c'est dans la petite chasse. Il y a du loot. Les mecs, il y a une zone sécurisée, ils se mettent dans la petite chasse à côté, t'es sérieux? Pourquoi pas, hein? Celle-là aussi je l'accrochette. Tu n'es pas doué de tes mains, Katox. Oh, je déconne. Je vais couper l'épisode là du coup, puisqu'il est suffisamment long, largement suffisamment long. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur Dying Light. Salut, c'est le Pharaon.